Nous avons eu un voyage de sensibilisation au fond de la CEDEAO. Nous sommes partis au Niger et on a été jusqu'à Agadez. Agadez, c'est là-bas l'une des frontières où pratiquement beaucoup de migrants passent pour aller vers l'Algérie, pour aller vers la Libye, ainsi de suite. Donc, nous, on a été à Agadez, 15 députés, c'est-à-dire un député par pays. Il y a 15 pays de la CEDEAO. Donc moi, je représentais la Guinée dans cette délégation. Et arrivé là-bas, dès qu'on est rentré au campement des migrants, le problème qui a été posé par l'OIM, parce que leur centre se trouve au niveau de l'OIM, qu'est-ce que le représentant de l'OIM a eu à dire au président du Parlement? Il dit, il y a quelques jours, 300 jeunes Guinéens renvoyés de l'Algérie ont séquestré les membres, les travailleurs de l'OIM. Donc il a fallu l'intervention de la police pour pouvoir délivrer ces gens-ci. Il dit donc tout de suite, il m'a dit, ah ouais, t'as fait, je suis venu. Quand il m'a dit, j'étais vraiment sidéré. Bon, le second problème, c'est que la Guinée n'a pas ni d'ambassade, ni de consulat au Niger. Donc quand les jeunes viennent, ils sont là, abandonnés à eux-mêmes. Donc, on ne peut pas les renvoyer parce qu'ils n'ont aucun document prouvant qu'ils sont de Guinée. Et ce jour-là, lorsqu'on est arrivé au centre, le tableau qui était affiché, la Guinée occupait la première position. Ensuite vient le Mali, ainsi de suite. Donc, j'ai même la photo du tableau encore dans mon téléphone. Et après l'entretien avec tous ces jeunes migrants-là, on a demandé à chaque député rencontre ses compatriotes. Ce fut le cas. Moi, j'ai réuni tous les jeunes guinéens qui étaient là-bas. Mais je n'ai pas pu me détenir. J'ai fondu en larmes. Parce que quand j'ai vu ces enfants-là, tu ne peux pas t'imaginer. Et quand chacun raconte son périple, ce qu'il a traversé jusqu'à être au moins à Agadez, tu ne peux pas croire. Et puis, ce sont des Guinéens même qui les maltraitent. Quand tu viens quelque part, tu ne connais personne. Quelqu'un sort de là-bas, il dit, moi je suis guinéen. Le garçon se sent assuré, quoi. Après, donc, déjà sur place, et pour les loger dans les petites maisons là, on leur réduit l'argent qu'ils ont sur eux, 800 euros, 700 euros. Et maintenant, ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont obligés de payer, je crois, combien d'euros par jour. Donc, ils prennent complètement leur argent, ils leur retirent, ceux qui n'ont pas d'argent, on leur retire leurs documents. Et on dit à ceux-ci, bon, il faut appeler tes parents. Maintenant, ils leur donnent le téléphone, ils appellent leurs parents, et en pendant qu'ils appellent leurs parents, on les frappe. Ils le font, les enfants crient. Donc, un parent qui entend ça, il a peur. On lui dit, quand l'enfant lui dit, envoie-moi de l'argent, sinon je vais mourir. Donc, ils sont obligés de, les parents se battent comme ils peuvent. Ça trouverait que ces parents-là ont vendu leur terrain, leur maison parfois pour envoyer le garçon. Ils sont là maintenant, ils pensent que l'enfant va leur retourner quelque chose. Il va là-bas. Maintenant, les parents vont se débrouiller pour envoyer quelque chose. Le jour beaucoup, ceux-là qu'on a trouvés à Agadez, ces gens-là, ils ont fait plus de 40, on est venu les abandonner à combien de kilomètres, ils ont traversé tout le désert pour être là. Au moment où on rentrait, ça trouvait qu'il y a quelques jours, il y avait deux Guinéens qui étaient déjà morts. Et le jour où on est rentré, au moment où on rentrait au camp, ils étaient partis enterrer un jeune Sénégalais aussi. Donc le président du Parlement même est Sénégalais. Donc, on a discuté avec les jeunes là-bas qui nous ont expliqué leurs problèmes, pourquoi ils quittent le pays. On en a discuté. Alors moi, je leur ai promis, quand je reviendrai, je ferai tout pour créer un réseau et qu'on trouve une solution pour le rapatriement de tous ces jeunes.
Et quand ils seront rapatriés, il faut qu'on leur trouve quelque chose pour pouvoir les maintenir. Parce que les premiers qui sont venus, s'ils disent aux autres, ah, nous, on ne nous a rien donné, on nous promet d'arriver ici, on va nous donner du travail, ou bien nous aider à créer des, monter des projets, rien n'est fait encore. Ceux-ci vont rester là-bas, ils vont dire, quel que soit, on va tenter encore. Parce qu'une fois qu'ils sont à Agadez, c'est la CDAO, c'est le Niger. Donc, la CDAO, ils ne peuvent pas les renvoyer. Donc, ils sont tous stationnés là-bas. Donc, depuis qu'on est rentré, les jeunes, certains sont rentrés. Quand ils sont venus, on a pu faire des démarches avec eux. Mais, comme il l'a dit, il faut trouver quelque chose pour ces jeunes. Donc, c'est pourquoi, et moi, et Sepria, nous sommes tous dans ce travail-là, pour faire mettre en place ce réseau, pour que vraiment aller sensibiliser, comme on l'a vu au Niger, il y a un réseau là-bas. On a dit, on va faire la même chose en Guinée. Tous les pays, au Mali, il y en a, pourquoi pas en Guinée? C'est pourquoi on s'est décidé, vraiment, il faut qu'on mette ce réseau-là. Là. Je vous remercie. Vive les pères! Vive le président Sidya Touré! Vive le président Sidya Touré! Ensemble, nous vaincrons! Bon, moi, depuis quelque temps, j'étais un peu absent de la Guinée et de l'Assemblée Générale. Donc, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui. Et là, on est allé au lieu saint. On a fait beaucoup de prières et je souhaite que ces prières soient exaucées pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre pays. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui me traverse par rapport à la situation générale de notre pays. Depuis quelque temps, nous tous nous observons le déclenchement de crises, la perpétuation de crises, et on est presque en train de nous complaire dans cette situation qui risque de créer un chaos dans notre pays. Nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas rester des observateurs. Au niveau de l'UFR, Dieu merci, nous avons la possibilité de parler à tout le monde parce que nous sommes un parti transversal. D'autant plus que aujourd'hui, la fracture politique, les fractures politiques sont en train de rejoindre les fractures ethniques. Ça, c'est extrêmement dangereux. Si la politique rejoint l'ethnie, à ce moment-là, plus rien n'est contrôlable. C'est l'émotion et malheureusement, on a vu dans beaucoup de pays quelles sont les conséquences de ce genre de situation. Il faut qu'on anticipe. On n'a pas de solution miracle. Mais il faut qu'à l'UFR, chacun d'entre nous, nous soyons interpellés sur ce sujet et que nous engageons des réflexions profondes à notre niveau, parce que c'est une question de voisinage parfois, c'est au niveau du quartier, c'est au niveau de la commune, il faut que chacun d'entre nous, nous ayons un comportement républicain qui permette de faire comprendre aux uns et aux autres que nous sommes la solution dans ce pays. Il ne faut pas que nous nous engagions dans les débats ethniques. Cela est extrêmement dangereux. Et tant que la philosophie du parti reste ce qu'il est, ce qu'elle est, il faut que nous maintenions ce cap-là. En tous les cas, aujourd'hui, les motifs d'inquiétude sont importants. Nous sommes en train de parler du budget, pour le développement de notre pays. Nous sommes en train de parler de migration de nos jeunes. Mais le fondement de tout ça, c'est la stabilité et la paix dans notre pays. Si ces éléments ne sont pas réunis, on peut parler de millions et de millions de dollars en faveur de notre pays. Leur mise en œuvre, leur exécution sera compliquée. Si nous ne trouvons pas de solution pour nos jeunes, mon Dieu, ils tenteront toujours cette aventure au risque de leur vie. On a tous vu les images des télévisions. Chaque fois qu'un jeune est interpellé sur le sujet, il dit « je vais essayer 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais il faut que je passe. C'est où je meurs, où je passe. »
Vous imaginez un peu le désespoir qui anime un jeune de 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui dit où je vais en Occident, où je meurs, dans le désert ou dans la mer. Ça quand même c'est assez effrayant. Et Dieu merci encore une fois, ces jeunes-là ne sont pas instrumentalisés ou ne sont pas endoctrinés, parce que c'est presque devenu des kamikazes. Un jeune qui dit je risque de mourir, mais je vais quand même, c'est presque un kamikaze. Donc imaginez que ces gens soient instrumentalisés pour d'autres fins, mais ça devient des terroristes tout de suite. Donc il faut qu'on fasse très attention. Il faut que l'on se préoccupe de la situation de notre pays. Chacun d'entre nous est interpellé. Il ne faut pas que l'on dise c'est le problème de l'autre, c'est le problème des autres. Si la crise politique se transforme en crise communautaire, régionale ou ethnique, il faut, à ce moment-là, sera un échec pour nous tous et nous en subirons tous les conséquences. Je tenais quand même à partager cette inquiétude avec vous pour que chacun d'entre nous, on engage cette réflexion au niveau de nos structures. Le bureau exécutif, on n'est pas des magiciens, mais on peut échanger. Chacun d'entre nous a un bon sens, un raisonnement, une intelligence, mais que ce débat soit au cœur de la réflexion au sein de l'UFR. Je vous remercie. Vive l'UFR. Vive l'UFR. Vive le président qui est arrivé. Vive le président qui est arrivé. Ça n'est pas. Ce que je vais ajouter, dans la soutenue de l'autre route, à nos mourir en Marseille, on va la main. On m'a pas mis par ma gare. On a fait une autre année là. Tout. Il n'a salé. Il va être lavé. Aou, on a fait. Nage à vous. Nage ma à vous. Ha, mini, ha, boula, pour la vie. Conte, yes, I lay in the cara, Vina Cordel. Sera Leon, a follow a kid. Petit a petit, petit a petit, et puis nous avons un air. Ah, à la rue. Nay, Gerena. N'a pas pu se faire, et bien assez, ou ma et on ira quand à la roue, et on a un cadet. Il doit être tout et à l'époque. Et il dit par la Yahweh, père et lui, à la hauteur. C'est effrayant. Parce que dans le milieu de la cour, on aura un ami. Mercredi, il est mon ami. On l'a fait bien dans le bas, il est. C'est vrai? Oui? Nous n'avons qu'à France, parce que nous avons une opération là-bas, nous voyons. Donc, pour qu'il y ait ces lieux, pour qu'il y ait ces points, c'est qu'il y a un contrôle là. Il est commun. Donc, nous n'avons qu'à un jour, nous avons envoyé, 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 arabe non parce que un bon arabe là toi là la Guinée donc il y a un royaume donc nous on a pas la fin de la tête la couille là la pio du marlo bien dit par un bon la hawa parce que nous c'est aéroport moto naï Guinée na moto naï na hadi mai a to mo ras kan poa ai ko ai san to ko ta dan ko na hada oke na mercredi ke le wal de 17h30 18h na aéroport ni avion na guru formalité pe na ba na na ma der na ma 19h ba ma ko re de 19h ma lo ta na ko una ba una ko ko re bu na a ko te ba ni ntai yo ma chauffeur yo a no moya même ma députée retourne
ma corbaïane. Un corbaïane, oui, la route, le prince, il est dit. Nabama, pour un soubari, on a soubari, il a fait la famille, Banya Ebu, on a le Ebu, après, on va continuer, on va pour Massara. Parce que la mara, on tourne à la ligne, on m'a bien de la ligne, papa. Mon âge, Bambi, Mousso, Naha, côté à l'eau, autour de Nani, là, Golf Nani, Naha, la tombe. Anna, pas mi, rebou. Mon âge. Donc, ça, c'est la voiture, la photo de la voiture. Naha, Mato, Bambeto, Norway. Cosa? Norway. Encore 5, Norway. Non, ma ouais, on a pas, on a tiré donc on a guéri T5. Parce que même il pourrait courir. D'accord. Atteignant la même étape. Non, pas par un qui sort sur un acte qui sort sur la tête, non, pas on a guéri, nous n'y sommes pas. Il peut me dire que nous avons bien temps, ça y est, c'est la vie ou la mort. Voilà, moi, je suis un peu plus de temps, je n'ai pas de vitesse multipliée par moi, je n'ai pas de bien temps, avant que je n'ai pas de bien temps, je n'ai pas de bien temps, je n'ai pas de bien temps. Je n'ai pas de bien temps, je n'ai pas de bien temps, je n'ai pas de bien temps, je maintenant à 90 années. Quand les gens peuvent faire des mains à la mourir, à mon nom, sauver une dame à Bibi, à Bombon, portier d'un âge à Marie-Trouviseur, Naha, quand on a les ratés, et voilà, et procès, un amour, on a pu aller déposer, on a été, Naha m'a fait une cigarette sous, rompoint, T5, même guérine, sans alerte. Naha, tourné, il n'a pas sa roman, on a le gobert. Guiné, il savait. Bon, il y a un peu de temps. À mon nom, qui est à son aujourd'hui. Un amour sauvé. Nous passons pour un peu de moyens. Mon sauveur, ça il est dit. Nous avons un amour de ma tour. Un amour pour Marina. Nous n'avons jamais mangé ma vie. Parce que quand il m'a dit, 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 j'étais obligé, malati, à fond dans mon mari, à ma bombée, à mon mari, 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 à mon Vraiment la Guinée, au monde de la Guinée, c'est la gueule.
Côte d'Ivoire. Il faut mettre des pas et réfugier mon temps. Mon temps, c'est comme un idée. Pas un nez, pour le nez, pour le conseil, mais il y a un colonial qui ne va pas au Panaï ou au Savannah. Alors, il y a un homme qui est dans mon ordre. Donc, nous, on a une séance pour les apports. Président a une minute de silence qui est une pime à la. Des petits règlements de compte. Occasion de la vie de la ah non, il y a des gars qui sont là. Occasion de la vie. Ainsi de suite, ceci, cela. À la paix, la paix. Nana Mahadi Manyamama. Nana Colombia. Nana Mouria. Nana ceci, cela. Bien, à la paix, 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 à la situation sécuritaire dans notre pays. La crise actuelle dépasse le bord politique. On ne sait pas réellement ce que certains Guinéens veulent. Les jours passés, ce qu'on a constaté à la Toba, c'est des jeunes sur des motos qui ont des bâtons qui passent et cassent les vitres des gens, qui sont en moto. À la Thomas. Taouya précisément. Alors, ce qui va se passer, ne soyons pas étonnés un jour, des gens qui ont des moyens, qui ont des fusils de chasse, les prennent dans leur voiture. Et quand on casse leur vitre, ils tirent dessus. Or, une bande partie ne connaît pas seulement celui qui a peine, mais d'autres personnes. Alors c'est ce risque-là que nous courons. Et si cela arrive, nous sommes au bord de la guerre civile. Que Dieu nous en garde. On a entendu parler de la guerre civile, mais on ne connaît pas les atrocités. Nous qui sommes à la frontière avec le Libéria, nous avons appris des choses atroces. Il ne faut même pas l'apporter parce que ça va traumatiser ce genre. Donc, la Guinée est un pays religieux. Nous prions beaucoup. Nous demandons pardon à Dieu à tout moment. Parlons les uns aux autres. Parce que Dieu va nous aider si nous nous aidons nous-mêmes. Il faut qu'on parle les uns aux autres. Si on ne le fait pas, vraiment, ça va être difficile pour nous. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Merci, Mme Gaïa. Merci, Mme Messieurs. En fait, lorsque le fondement ou le fondement de la démocratie de la République commence à s'effondrer, écoutez bien ce que je dis. Après, on va faire des photos. Hein. S'il vous plaît. Lorsque les soubassements de la République commencent à s'effondrer, lorsque les murs de la démocratie commencent à avoir des fissures, vous avez un certain nombre de citoyens qui, jusque-là, se taisent, commencent à parler ou à réfléchir. Je suis dans cette situation. Il est pour moi intolérable que nous continuions à subir et à nous taire. Je pense que le débat politique aujourd'hui a pris une tournure bipolaire, alors que nous sommes dans un pays où chacun est libre de créer son parti, d'adhérer à un parti de son choix et de participer à la destinée du pays. Pour cela donc, je me suis engagé. J'aurais pu créer un mouvement de soutien, j'aurais pu créer une ONG pour escroquer, mais je préfère descendre dans l'arène, me faire entendre, parce que je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir un autre discours, une autre façon de parler, un autre client qui n'est ni Soussou, ni Malinké, ni Peul, ni Thomas, ni Gazé, etc.
mais qui parle de manière transversale, comme à l'UFR on parle. Il est temps pour nous, chers concitoyens, que nous considérons la Guinée comme un emprunt. La Guinée n'est pas un héritage, parce qu'un héritage, c'est ce qu'on peut prendre, utiliser à sa guise. La Guinée, c'est un emprunt. Nous l'avons emprunté au père fondateur, nous devons le léguer à la génération future. Voyons ce côté, en ce moment-là, nous n'allons pas utiliser la Guinée comme un héritage, nous allons l'utiliser comme un emprunt, dorloter, harmoniser et former la génération qui doit s'en servir. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Vive l'UFR! Vive le président Sidi Touré! Vive le président Sidi Touré! Ensemble, nous vaincrons. Ensemble! Il s'agit d'une prochaine crise qui risque de s'ouvrir dans le cadre de la gestion du fichier électoral. Le fichier électoral, de l'avis de tous les experts qui ont eu à l'auditer, ils ont dit que ce fichier est truffé d'erreurs. On appelle ça un fichier corrompu. Il est fait de telle manière que les résultats ne peuvent être que faussés. Ce dossier aujourd'hui est sur la table du comité de suivi au niveau de la CENI. Normalement, la révision du fichier devait commencer à partir du 1er octobre. On est aujourd'hui au mois de novembre. Et il est clair et net que nous ne pouvons pas aller à des élections transparentes, libres, si ce fichier n'est pas corrigé. Ça, il faut qu'on se le dise, hein, c'est important. Il y a plus d'un million et demi d'électeurs fictifs qui se sont retrouvés dans ce fichier et qui peuvent être captés, comme vous le savez, Grandinet, par des tripatouillages en faveur de l'un ou l'autre cas. L'UFR n'acceptera pas ce fichier à l'État. Il faut qu'il soit nettoyé, il faut qu'il soit audité, il faut qu'on se le dise. Je vous remercie. Merci.